Ils ont beau compter comme des membres à part entière de la famille royale britannique, Zara Tyndall et Peter Phillips, les enfants de la princesse Anne née de son union avec son premier époux Mark Phillips, n'ont pas de titres royaux. Si leur mère possède pourtant le titre de princesse, en qualité de fille du prince Philippe et d'Élisabeth II, cela ne permet pas pour autant à ses enfants de jouir du même sort. Les règles, établies par le roi George V en 1917, sont ainsi faites, comme l'explique Hello Magazine, en raison d'une tradition familiale séculaire, lorsqu'un membre de la famille royale a un enfant, seul le père peut transmettre son titre. Comme le père de Zara Tyndall et Peter Phillips, Mark Phillips, n'était pas membre de la famille royale et qu'il a décliné l'offre d'un comté, par conséquent ses enfants n'ont pas reçu de titre dès la naissance. Ce qui ne fut par exemple pas le cas de leurs cousines, les princesses Béatrice et Eugénie qui ont bénéficié de ce statut par leur père, le prince Andrew. Cela n'empêche toutefois pas Peter Phillips et Zara Tyndall de figurer dans l'ordre de succession au trône britannique, puisqu'ils sont respectivement 17e et 20e, juste derrière leur maman qui occupe la 16e position. Supérieur à Kate Middleton, Meghan Markle, Zara Tyndall, qui est qui dans la famille royale britannique? Peter Phillips et Zara Tyndall, plus libres de leur mouvement? En 2020, lors d'un entretien accordé à Vanity Fair, la princesse Anne s'était épanchée sur cette décision de ne pas accorder de titre à ses enfants. Je pense que la plupart des gens diraient qu'il y a des inconvénients à avoir des titres. Donc, je pense que c'était probablement la bonne chose à faire, avait-elle déclaré. Affranchis de ses titres royaux et des responsabilités qui les accompagnent, Peter et Zara ont ainsi pu grandir et faire leur vie avec davantage de liberté et de souplesse. Zara a par exemple décidé de poursuivre une carrière en tant que cavalière professionnelle. La femme de Mike Tyndall a d'ailleurs été récompensée d'un titre olympique aux Jeux de Londres en 2012. Son grand frère Peter s'est, lui aussi, tourné vers l'industrie du sport. Le père de Savannah et Isla Phillips a d'abord travaillé pour Jaguar Racing avant de devenir directeur d'une société de gestion sportive. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence.